Eh bien, salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelques tips sur les mots-clés de vos vidéos. Voilà, donc c'est les mots-clés, c'est vraiment très très important, c'est ce qui va permettre à l'algorithme YouTube de mieux vous référencer et de vous mettre en avant et donc de faire plus de vues et de gagner plus d'abonnés. Donc c'est parti, donc déjà rendez-vous sur votre chaîne YouTube. Allez sur une vidéo, donc moi j'ai choisi la vidéo planning des vidéos sur ma chaîne, voilà, une vidéo assez simple. Vous allez tout en bas et vous allez cliquer sur plus. Ensuite, vous allez avoir communication commerciale et là vous allez avoir tag. Donc là j'ai les tags par défaut de qui sont par défaut avec la mise en ligne PS4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les enlever comme ça et que je vais aller sur le site keyword.io. Donc vous tapez dans la barre de recherche Google, vous tapez keyword.io et vous allez tomber sur ce site. Donc je vous conseille comment? Je vous conseille de vous inscrire sur ce site qui est totalement gratuit. Comme ça, vous aurez simplement toutes les fonctionnalités, ou presque. Donc c'est pas du tout un placement de produit pour ce site, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc vous allez aller, donc si vous êtes français, vous allez mettre FR, donc France, et vous allez sélectionner France, pour que ça mette des mots-clés en relation avec la France. Alors vous pouvez choisir Google ou YouTube. Moi, je vous conseille de mettre YouTube. Après, vous pouvez mettre également Google parce que de toute façon, c'est à peu près les mêmes moteurs de recherche. Donc voilà, vous mettez YouTube et vous cliquez sur Your Seed Keyword. Donc, moi, c'est une vidéo planning de vidéo. Donc, je vais mettre planning vidéo YouTube pour voir les mots-clés que le site me propose. Donc, on fait entrer. Et le site va nous générer des mots-clés. Alors, donc on a pas mal de choses en anglais. Planning vidéo YouTube Chrome, YouTube Converteur, planning vidéo YouTube en ligne, YouTube gratuit. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va prendre, quelques mots-clés, voilà. Hop. Voilà, planning vidéo YouTube rapidement. Donc voilà, donc on prend quelques mots-clés comme ça et on va venir les copier-coller. Alors on va le faire un par un, c'est important parce que vous pouvez faire ici export et copie sélection to clipboard. Donc copier dans le presse-papier quoi. Mais le problème c'est que ça va tous les copier et il faut les mettre un par un. Donc vaut mieux les faire comme je fais et ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on prend chaque mot-clé comme ça. Et on va venir les coller à l'intérieur de notre liste de tags. Donc voilà, on colle bien tout. Hop, planning vidéo YouTube MP4. Donc ces mots-clés, vraiment, je vous dis, c'est très très important. C'est ce qui va vraiment permettre à l'algorithme de reconnaître votre vidéo. Par exemple, il y a quelqu'un qui va chercher comment organiser son planning YouTube de vidéo. Donc il va taper certains de ces mots-clés. Et va potentiellement tomber sur votre vidéo si les mots-clés correspondent à sa recherche. Donc voilà, les gens ils vont beaucoup mieux vous trouver grâce aux mots-clés. Donc je vous conseille vraiment d'en mettre le maximum possible. Moi, sur les vidéos où je mets des mots-clés, je les mets tous au maximum. Donc là, vous voyez, on a un quota à respecter, 324 sur 500. Donc voilà, j'en mets un maximum. Comme ceci. Alors faut pas en mettre trop, je veux dire qui divague dans tous les sens. Si c'est une vidéo planning des vidéos sur ma chaîne, je vais pas mettre des tags Fortnite, ça n'aurait pas vraiment de sens. Vaut mieux avoir un public plus ciblé et toucher un moins grand nombre de spectateurs. Mais si vous faites ça, vous aurez plus de chances d'avoir une plus grosse audience. Enfin, je veux dire. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, vous ferez plus de vues en faisant ça que si vous mettez plein de mots-clés n'importe comment. Évitez aussi de mettre des noms de youtubeurs, car en général, ces youtubeurs ont plus de vues que vous. Et si vous mettez Michou dans votre vidéo, les gens en tapant Planning YouTube vidéo, et bien, ils trouveront Michou avant vous, parce qu'il fait plus de vues que vous. Et l'algorithme YouTube a plus tendance à mettre les gens qui font plus de vues en avant que les autres. Du coup voilà. Alors en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. J'espère qu'il aura été assez complet.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore et tout ça. C'était Obijao, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.